Salut les vilains! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Atlas P sur le Metal Gear Solid. C'est parti! Normalement, on est à côté de l'entrepôt du Metal Gear juste après avoir tué Sniper Wolf, qui n'est pas Meryl finalement, pas du tout. Ils ont juste certainement dû récupérer le même doubleur. Par contre, l'accès est de niveau 7 ici. Alors, comment je vais faire pour passer? Ah bah, c'est bon, il y a niveau 6 là. Ok! Tout va bien. Oh! Faut arrêter là! Ils ont mis des mines à tous les recos quoi. Diazépam? Qu'est-ce que c'est que ça du diazépam? Ça me dit quelque chose. Calmant, arrête temporairement tout tremblement involontaire. Ah! C'est ce que prennent les. Tu vas me laisser parler. C'est ce que prennent les snipers en fait. Voilà, tout simplement. Les snipers pour mieux viser. Donc là, ok, du coup, c'était juste un hangar à munitions, en gros. Donc ça nous intéresse pas. Là aussi, c'est un autre hangar. Alors, attendez. Là, par contre, là, il y a des tourelles. On va quand même faire YOLO! Bah les couilles, frère! Ah, mais c'est pas un hangar, en fait. Hein. C'est vraiment peut-être là qu'il faut aller. Ah, c'était là, on dirait. Hein. Ok, c'est bon. Quoi? What? Mais... Hein? A serré le disque 2? What the fuck? Mais y'a pas de disque 2. Y'a pas de disque 2, mec. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? J'ai acheté le jeu sur le PSN. Il n'y a pas de disque 2. Ah! Ah! Le système a passé sur disque 2 si je. Ouais. Puis sur la touche start après l'insertion du disque 2. J'ai eu putain de peur! Je me suis dit, mais je me suis fait niquer sa race! Il y a plus sur une touche disque 2, c'est bon. Ouh. Là, je déstresse quand même. Ok. Donc là, le jeu va poursuivre. Ok, bien. Je vous raconte pas là, j'étais en mode non, attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis dit, j'ai fait tout ça pour rien. En fait, non, tout va bien. Plus de peur que de mal. D'accord, ok, c'est simplement un cul-de-sac. Il y a du joli magma par ici. Oui. Oula, lui il m'a repéré, attends. Nous l'avons perdu. On va le tuer, je crois. Cette visée impossible. Ok, il est mort. C'est bon, let's go. Let's go, let's go. Des grenades stun. Des grenades paralysantes. Sauf que, ben, il n'y a aucun endroit où aller, là. Où est-ce que je dois aller? Je suis coincé, là, bordel. On dit d'insérer le disque 2, ces connards. Mais bon, il n'y a rien ici, là. Je vais devoir faire marche arrière et ils vont me dire de réinsérer le disque 1. Et ça serait complètement con ça par contre. Hein. Ça serait vraiment extrêmement débile. Non c'est bon, ok d'accord. Là j'étais en train de me dire non c'est pas possible, ils sont pas cons à ce point. Là, en fait le disque 2 c'est bon, ça suffit apparemment. Donc là ok, si je vais à gauche maintenant. Oula, mais arrêtez ça! Ouais, je vais mourir. Oh, pourquoi j'ai pris ça? Non, Snake! Putain! Oh, mais il y avait qu'un seul passage là-bas et... De toute façon, il y avait rien à faire. Snake! Je t'aimais, Snake! Et là, je suis choqué parce que je m'attendais pas à ça, mais il y a... V'là les messages d'amour dans ce jeu-là. Chose que je déteste. Genre, quand j'ai voulu sauvegarder l'épisode précédent... Il a commencé à faire un discours, ouais, il faut que tu te donnes le courage d'aimer quelqu'un, mailing. Bah les couilles, frère. Alors là, du coup, il y a plein de munitions, bah on va pas les prendre. Hein. Il faut que j'aille au bon endroit, là. Il y a des pièges partout, je ne peux plus me permettre de mourir en chaîne. Hein. Donc on va aller tout à droite. Oh, il y a Sniper Wolf qui a disparu, là. Je vais pas dire, mais c'est un peu louche. Donc soit c'est le bon chemin, soit fuck, hein.
Non, c'est pas le bon chemin, il n'y a que des munitions ici. Bon, déjà, il n'y a pas de piège, donc peut-être qu'il y a une mine. Peut-être qu'il y a une putain de mine ici, là. Dites-moi qu'il n'y a pas de mine. Ok, c'est que du FAMAS. C'est bon, on peut sortir, il n'y a pas une mine. Le sous-sail. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, t'es mon ami, toi. Soyons copains. C'est un ami ou un méchant, lui? Bah, t'es mon copain ou t'es pas mon copain? D'accord, pas compris. On reprend la carte de niveau 6. Donc là, il y a des mines, hein, on est d'accord. Là, c'était l'endroit où il y avait putain de plein de mines, mais du coup, je ne sais pas où aller du tout. Là, il faudrait y aller, c'est sûr, c'est l'accès 7, hein, mais bon. Attends, si je fais venir le chien avec moi, là. Qu'est-ce qui peut attirer ce chien? C'est sûr qu'il va servir à quelque chose, non? Petit chien. Suis le diazépam. Je sais pas. Ah, il a bougé là. Le petit diazépam, c'est ce que ton maître prenait tout le temps. Viens, le diazépam. Ça en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça déjà, ça, le truc? Voilà, le truc. C'est tout ce que je peux vous en dire. Donc ça évidemment passe putain de pas. Bah finalement, il n'y a que ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai raté en fait? Là, je vais mourir comme un con. Je vais mourir. Ah, ok, c'est bon. Non, sérieux, qu'est-ce que j'ai loupé? On va voir ça. Parce que une fois là, voilà, normalement. Ah bah il y a l'autre qui a réapparu du coup. Hein. Faut que je descende là, mais comment? Ah, il y a que des cul-de-sac. Hein. Là à droite, il n'y a pas de passage. Wow, c'est vilain ça, dis donc. Alors là je suis perdu, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut que je branle? Attends, je recevais un appel là, non? Quelqu'un qui m'a appelé. Par contre j'aurais bien aimé avoir une ration là. Une ration ça aurait pas été de refus. Et aussi une indication ça aurait pas été de refus non plus. Puis il est mort, c'est bon. Ah bah merci. Sauf que je ne sais toujours pas où aller. C'est un ascenseur ça peut-être? C'est un ascenseur. Bah, déjà il y a une grille mais il n'y a pas de bouton. Un bouton ça? Bah il y a clairement un truc à faire là. Hein. Non? Je vois pas 36 solutions. C'est soit ici, soit c'est nulle part. Hein. Je sens qu'on va regarder la soluce là parce que je suis complètement perdu. Hein. Soluce, la soluce de Metal Gear. Voilà, voilà, c'est génial. Alors, Metal Gear. Solide soluce. Voilà. Wiki astuce, blablabla, mon cul. Je m'en bats les couilles. Dis-moi ce que je dois faire. Alors, Bat Sniper Wolf, donc ça on l'a fait, nanana, puis équipé, nanana. Wow, attends, qu'est-ce qu'ils disent là? D'accord, Snowfield, une fois l'affrontement terminé, profitez bien de... une fois si fait, faites le tour de différents abris pour faire le plein de votre inventaire, d'accord. CD2. Ah, donc là on était là. Après avoir changé de CD, vous voilà maintenant arrivé dans le haut fourneau. Éliminez le premier garde pour éviter de vous faire repérer. Le sol est bruyant sous vos pas. Puis collez-vous au mur sur votre gauche afin de pouvoir vous déplacer au-dessus du. Ah! Ah ouais! Fallait deviner, mon con, hein! Ah ouais, fallait vraiment deviner. Pourtant j'ai essayé, hein. J'ai essayé des trucs là-bas, mais. Regardez ce qu'il fallait faire. Donc là en fait on pouvait se coller au mur comme ça là. Voilà, et on pouvait avancer de cette façon-ci. En vrai une souris verte. Quoi? Ah ouais, parce qu'il y a des trucs qui passent en plus comme ça là. Comme si c'était pas assez dur. D'accord. Bah c'est pas dur du tout mais. Mais je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça quoi. Ah ça c'était vraiment le truc en trop. Donc pareil, on va retuer le bonhomme là. Attends, je sais pas pourquoi je voulais switcher la carte. Alors, on va le tuer, espérant qu'il va nous redonner une ration.
Parce que c'était vraiment ce dont on avait besoin en fait, hein. Hey, bah il me la donne plus, bah voilà, comme par hasard. Donc là du coup, j'ai vu qu'il y avait quand même un item là à gauche, non? Ah non, j'ai cru... Si. Attends, oula, c'est cette caméra démoniaque. Il y a un truc là, non? Je crois qu'on est d'accord qu'il y a un truc. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des balles de SOCOM, ouais, c'était des balles de SOCOM. Donc là, il y a ce truc qui bouge là-bas, hein. On va le surveiller un petit peu. Et il y a vraiment des souris vertes, regardez. Pour faire la blague. Ah non, elles sont grises en fait. Elles ne sont pas vertes. Donc ça, ça bouge, voilà. Et du coup, attends, on va se mettre comme ça. Attends. Je comprends pas la logique des déplacements de ce truc. Donc là, il faut attendre qu'il vienne complètement vers nous, hein, parce qu'en tous les cas, on pourra pas l'esquiver. Ah, on peut se baisser comme ça en fait. D'accord, attends. Je suis baissé, j'attends que ça passe. Oh, genre je me suis relevé, je me suis cogné la tête dessus. C'est sérieux ça? Non là, il se fout de ma gueule. Oh, je suis choqué, le fou, t'es ridicule quoi. Genre le mec, ah, il m'a tête, boum, je tombe dans le magma. Mais vas-y, fous-toi bien de ma gueule. Même dans un dessin animé pour enfants de 4 ans, je crois que ça arriverait pas, ça, tellement c'est con. Attends, là, du coup, on va rabattre ce mec, là. Voilà. Il y a une petite alarme pour rien. Est-ce qu'il me lâche une ration? Non, en fait, c'est... Il y a un taux drop, comme dans les RPG. C'est pas... T'es sûr de l'avoir, en fait. Donc là, ok. Maintenant, on sait qu'on peut se baisser sur le truc. Et qu'il faut pas se relever, attention. Tu trèves, tu meurs. Ah, là, bah là, c'est parfait, parce que du coup, il va dans notre sens, hein. Et là, on va se coller à lui et on va attendre qu'il passe. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'a tué? Mais s'il vous plaît, pourquoi? Je suis mort de quoi là? Je suis mort de... Oh, je ne bouge plus, je meurs. J'ai pas compris, mais d'accord. Bien, je vois. Ouais, c'est un bon jeu, oui. bien sûr. Ah, crève bien, toi. Refais l'alarme encore useless. Ne me donne surtout pas de ration, ouais. Non, mais ne me donne pas de ration, je te jure que ça me gêne pas. Ouais, on va se casser le cul à refaire ce chemin là sur le côté. Tu vas voir qu'on va mourir parce qu'il nous manque de la vie. Ah, parce qu'il y a un mec qui nous attend plus de l'autre côté, hein. Vas-y, let's go. Let's go. On s'arrête parce qu'apparemment, ce truc, le simple fait de le toucher, ça nous tue, hein. Y a pas de respect. Baisse au cas où, parce que tant il nous fait la phase de je retourne dans l'autre sens maintenant. Voilà, normalement c'est à partir de là qu'il va retourner dans l'autre sens, donc je me baisse. Et là on va attendre tout simplement. Ça va prendre du temps, mais on va attendre. Voilà, donc là, ne surtout pas se relever, on est d'accord. Oh, sinon c'est la dead. Hein. Donc là on peut y aller, c'est parti. Souci c'est qu'il y a un mec qui nous attend de l'autre côté là. J'ai vu qu'il y avait un mec qui patrouillait là, attends. Il est où d'ailleurs? Je le sens mal. J'aurais vu dès le départ, je l'aurais abattu, mais là. Ok, il est là-bas. Avant d'aller le battre, parce que j'ai vu qu'il y avait une ration par ici, on va aller la récupérer, comme ça, au moins, on n'a pas de surprise. Attends. Et où cette putain de ration là? Je suis sûr d'en avoir vu une. Par contre, là, il y a un truc, peut-être que c'est une ration. C'est des balles de SOCOM, merde alors. Oh. Crève! C'est bon? Par contre, il y a l'alarme et il y a certainement d'autres soldats ici. Oh, non, mais d'où tu sors, toi? D'où tu sors, ta race, putain? Oh, mais non! C'est chiant. C'est vraiment relou. Ça, c'est vraiment relou. Ils peuvent pas te faire spawn au checkpoint avec toute ta vie, enfin, bordel. Ça serait logique, quand même. Voilà, ration. Oui! Voilà, on n'a pas le droit de se rater sur le petit rebord là. Parce que franchement, maintenant qu'on a eu la ration, là on est parfait. Hein. Là c'est notre chance, vas-y. Je déplie les jambes là. Concentration extrême. Il va aller dans quel sens ce truc? Ok, dans notre sens, c'est parfait. Let's go. En avant les amis. En avant. C'est parti les amis. Ok. On se baisse. Allez, donc là on attend, hein, on attend bien comme il faut.
pas de prise de risque. Pas de prise de risque inutile. Là, il faut se relever en avant. Ok. Donc là, on va abattre tout le monde de préférence. On voit qu'il y a une ration, vous voyez là, en bas, là. Il y a une putain de ration, faut descendre tous les escaliers, en fait, pour la récupérer. Donc, je vais aller le faire, parce que c'est quand même le truc le plus important, la ration, hein. C'est complètement cheaté, faut avouer. Voilà, merci pour la ration, au revoir, les amis, je vous aimais beaucoup. Hop, hop, hop. Toi, je te pète la gueule. T'es mort ou t'es pas mort, je sais pas. Il est mort, ok. Il n'y a même pas eu d'art. Oh, merci, la ration. Bah oui. Ça, c'est cool, ça. Ah, et là, ça sent le Metal Gear. Je sens le Metal Gear. Je le sens. Metal Gear. Oui, là, ça sent le Metal Gear, là. Ah, vous voyez, les hangars, ils prennent une autre forme. Il y a un joli ascenseur qui se ramène. Ouais, ouais, là, ça sent le truc bien secret. Ça sent la bonne grosse fin du jeu. Par ici, petit ascenseur. Je vais pas prendre le risque de me jeter dans l'autre vide. Hein. Je sais pas ce que ça fait sur un vieux jeu comme ça. Ok, on est bon. De toute façon, il devait y avoir une barrière invisible, à mon avis. Et en avant. Ah, ça va être bien, ça. Ah, je le sens très très bien. Quoi? Ok. Oh, pourquoi j'ai pas... Ouh, j'ai fait une sorte de truc karaté. Hop. Toi. Tu... Crevez tous. Où tu mets des coups, quoi. Mais... Oh, putain. Oh là là. Est-ce que les balles vous font souffrir, en fait? C'est la question que je me pose. Les amis, les balles, ça tue, hein. Au cas où. Juste, je tiens à vous prévenir. J'ai plus de grenades en fait là. Bon bah, on va devoir faire confiance à notre SOCOM. Il a pas l'air de faire très très mal. Hein. Il me reste une ration pour tenir. Est-ce qu'il y en a un qui veut mourir, s'il vous plaît? Et il est toujours pas mort lui! Crevez, s'il vous plaît. Ok, il y en a un qui est mort. Le deuxième aussi, je crois. Par contre, j'ai plus de balles. Merci pour les balles, espèce de con. Vite, 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 vite. Non! Fais pas le malin avec moi. Fais pas le malin avec moi, je te dis. On va le tuer au corps à corps, hein. Oh super, il est tombé comme un con. Je sens qu'ils vont me renvoyer des ennemis, non? 3 ça suffisait. Franchement, 3 je vous dis, ça suffisait. Parfait. On va partir en no item. Hein. Quoi? Mais qu'est-ce qui me tue là? Il continue à me tirer dessus, s'en bat les couilles. Tiens. Mais c'est quoi qui m'a tué? Snake. Tu peux pas mourir après m'avoir dit quelque chose aussi beau que tout à l'heure. Non. Attends, qu'est-ce qui m'a tué ici là? C'est ce truc. Il y a une putain de tourelle vénère là. J'ai même plus de ration, alors soit je passe comme ça et elle me voit pas et ça a fonctionné, donc tant mieux. Je dois reprendre encore un as... Je sais plus quoi dire. Franchement, je sais plus quoi dire. C'est 4 Mario, quoi. Hop, maintenant je connais le piège. Hop, je meurs. Ouais. C'est génial. Parce que moi, je me suis dit, du coup, peut-être que je vais trouver d'autres munitions. Parce que là, je sens bien le coup du... On va se retaper des méchants. Il y a des munitions là-bas. Mais la clé mort, on peut pas la voir comme ça. C'est la clé mort qui est là-bas, là. Il y a un truc qui tourne. Attends. On va longer les murs. Mais ta race, putain.
dégoûté. Bon, on y retourne. C'est pas grave. On est bon perdant, de toute façon. Je suis zen. Y a pas de souci. Faudra rester 3 milliards de fois, on va rester 3 milliards de fois. Ouais, j'ai toute ma pute. Oh! Tu te calmes, hein. Ouais, moi je suis pas là pour faire les babysitters, tu vois. Ok. Merci pour la ration. Je suis passé par là il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui fait que maintenant il y a une grenade ici là? Tu t'en fous de ma gueule? Comme par hasard, c'est des balles de FAMAS. Putain, pourquoi j'ai pas récupéré ce FAMAS? Merde, c'était pas là. Oh, s'il y a une bombe là. Ok, c'est bon. Ouais, mais là, c'est sûr, il va y avoir encore des soirées. Il faut Ihaaa! Et on va se faire niquer. Parce que là, j'ai plus de balles, j'ai pas de grenades, j'ai rien. Donc, c'est un tantinet compliqué. Voilà. Je tiens à vous prévenir. On va devoir se taper avec du C4. Je vais préparer le C4 d'ailleurs. C4 ici. Attends, c'est un aigle là. Des aigles qui m'attaquent. Attends, c'est sérieux? Ils essayent de m'attaquer ou comment ça marche? Je crois qu'ils veulent ma peau. Attends, je vais poser ça là. Je crois que c'est le... Je les ai tués. J'en ai tué 2. C'est les oiseaux de l'Indien qui nous avaient attaqué au début, ça, non? Snake? Il faut que je te dise quelque chose sur Naomi Hunter. Quoi, sur Naomi? On peut parler en sécurité? Pas d'inquiétude, le moniteur est coupé. Ok. Qui a-t-il? Tu sais, moi aussi j'étais au FBI. Ah bon? Je savais pas. Et alors? Le récit du Dr. Hunter sur son passé, son grand-père censé être un des assistants de Hoover au FBI. Ouais. Et qui aurait travaillé en couverture pour enquêter sur la mafia à New York. Ouais, et alors? C'est du pipeau. Que dites-vous? Ça ne sonnait pas juste. Mais pourquoi mentirait-elle? Elle mentait? Elle pourrait être un espion. C'est ridicule. Enfin, même un lycéen aurait détecté ce mensonge. Edgar Hoover, le patron du FBI à cette époque-là, était un raciste endurci. Naomi nous a bien dit que son grand-père était japonais. Ouais. Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas un seul enquêteur asiatique. De plus, les opérations de dépistage de la mafia n'ont pas commencé dans les années 50. Elles ont débuté en 60, à Chicago, pas à New York. Mais... Tu devrais vérifier tout ça. Le chef et le président qui meurent mystérieusement, ce ninja, ça fait beaucoup de coïncidences. Vous pensez que Naomi aurait tout prémédité? Je ne sais pas. Ou encore, elle pourrait être de mèche avec les terroristes. Vous croyez? Si j'ai quoi que ce soit, je t'appelle. En attendant, fais attention. Docteur Naomi, tu nous caches des choses, hein. Et dit à ce moment précis, ça sent la petite révélation quand même. Voilà, à mon avis, déjà, on va croiser l'Indien avec son tank. Enfin, plus avec son tank, du coup, puisqu'on l'a détruit. Là, il me faut la carte d'accès. Hop. Bienvenue, Kazak. Tu es au bout du chemin. N'est-ce pas, mes amis? Écoute, ils sont d'accord. Comment oses-tu tuer mes amis? Tu sais, les corbeaux ne sont pas des nécrophages. Ils ne font que rendre à la nature ce qui n'est plus nécessaire. Quelquefois, ils attaquent des renards blessés. C'était toi sur le tank M1? Tu devais y être à l'étroit? Un grand gaillard comme toi. Mais c'était pas une vraie bataille. Oh. Les corbeaux et moi, nous te testions afin de déterminer qui tu étais. Le jugement a été rendu. Les corbeaux disent que tu es un combattant. J'hallucine ou quoi?
pas bougé. Le Corgo t'a marqué du signe de la mort. Du sang de l'Est coule dans tes veines. Ah, tes ancêtres eux aussi ont grandi sur les plaines nues de Montpellier. Les Inuits et les Japonais sont tous cousins. Toi et moi partageons les mêmes ancêtres. Pas de corbeaux dans mon arbre généalogique. Tu ris, mais les corbeaux et les serpents ne sont que rarement amis. Quoi qu'il en soit, tu seras un adversaire à ma mesure. Toi aussi, tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimo-indiennes ? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Muktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimo. Les deux adversaires se tirent mutuellement l'oreille par grand froid. C'est un test d'endurance aussi bien spirituel que physique. Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on a l'ivresse. Réjouis-toi, Snake, glorieuse sera notre bataille. Rien de glorieux, ce n'est qu'une tuerie. La violence n'est pas un sport. Eh bien, nous verrons si tu parles en mots d'acier. Mais il se contredit là, il y a deux secondes il dit ouais c'était un sport entre amis quand on se battait avec l'autre sur le champ de bataille, d'un coup il dit ah non c'était pas un sport. Faut que tu respectes ce que tu dis hein mon con, parce que là moi je comprends pas. Donc là il faut utiliser le missile Nikita apparemment. Oula, monsieur Machine Gun, il est vénère hein. Boum. Ah ouais merde, c'est avec les missiles Nikita, attends. J'ai oublié qu'ils étaient décommandés en fait. Hop. Oh mais pourquoi? Pourquoi le missile Nikita il m'explose à la gueule? Qu'est-ce qui fait que le missile Nikita m'explose à la gueule s'il vous plaît? Je vous le demande, je regarde là mais non c'est, vous êtes ici. Je sais pas où je regarde moi. Alors je faut que je m'habitue au facecam. Voilà, je suis pas encore dans le coup, vous comprenez. Ok, donc on y retourne. Oh là là, on va se retaper la cinématique. Heureusement qu'il y a le truc magique qui s'appelle passer la cinématique. Attention. Il faut reprendre la carte. Voilà. Donc là, on spam la touche croix. On spam. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, le missile Nikita. Boum. Ah bah voilà, il m'explose pas à la gueule, là. Ça fait plaisir. Oula. En fait, quand je... Ok. Wow, merde. Attends. C'est un peu compliqué. Alors, si je vais tout droit, par exemple, là... Oh, mais... T'es un enculé, en fait. Attends, faut... Ok. Ok. Il est là. Faut pas qu'il m'entende. Faut pas qu'il entende le missile. Mais d'où tu vois le missile? Qu'est-ce qui le fait voir ce putain de missile? Je comprends pas. Ya! Mais merde! Mais... Oui, mais aussi, mec, quand t'es un dieu, je peux pas te toucher aussi. Hein. C'est un peu compliqué, quoi. Il faut le stun d'abord. Je sais pas. Je te stun. Alors, du coup, maintenant, je prends le Stinger. Pardon, le Nikita. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis auto-stun. Boum. Alors, mon con. D'accord. Enfin, vraiment le stun à chaque fois, en fait. Hop, merci pour les... Ah, on peut attaquer au Stinger aussi. Ah bah, tout va bien. Tout va très très bien dans ce monde, apparemment. Hein. Attends, on va rester sur Nikita pour l'instant. Ok, donc là, il se vénère comme ça. Hop, je passe du Stinger. Boum. Normalement, tu meurs pas d'un Stinger, c'est que t'es un peu fort. Hein. Oula, il y a un truc qui est en train de se détacher ici. Ok, attends, il va se rapprocher. Gratouille l'œil, permettez. Allez mon con. Allez mon con par ici là. C'est chiant qu'on puisse pas se déplacer avec ces trucs.
Qu'est-ce qui branle? Ah mais ses balles elles passent à travers là, il est en train de niquer Ah je peux pas le bourrer comme un gros sale. Oh, excuse-moi. Arrête. Ah oui. Il me laisse même pas me relever quoi. Non mais c'est bon. Mais je regarde là à chaque fois. Non vous êtes là. Je regarde à gauche par réflexe mais je sais pas pourquoi. Non je meurs. Mais maintenant qu'on sait qu'on peut utiliser tout contre lui, le Stinger, certainement le Snipe aussi. Bon le Nikita, mais pour toucher avec le Nikita faut quand même stun et ça c'est tout de suite plus compliqué. Et à mon avis il doit y avoir des phases aussi avec les caisses, peut-être qu'on peut lui faire tomber dessus. Voilà. Donc là merci pour ça. Ok. Là on spam la touche croix pour pas se taper à cinématique. Ce combat est chaud, hein. Franchement c'est chaud. On reste en nos items. Merde, mais j'attendais juste qu'il tourne du putain de regard et... Tourne du regard. Il faut arriver dans son cul en fait. Putain, mais ce mec est un voyant. Mais putain, mais... Il a des yeux dans le dos, ce connard là. Comment veux-tu que je le touche? C'est ça qui est dingue. Ça sert à rien de faire ça. Je comprends pas ce que je dois faire pour le tuer. On va se mettre très loin sur le même couloir que lui. Peut-être qu'il pourra pas nous toucher. On va se mettre là. Il n'y a pas de soin ici. Hein. Pas vraiment de soin. Il faut espérer qu'il fasse le con. Hein. Ah là, il va revenir. Pourquoi tu te fais pas toucher? Mais putain de merde! Oh là là, je vais sur la solution, c'est bon. Snake! Je vais sur la soluce de mon cul. Allez, on y retourne en espérant que cette fois les Nikita et Stinger vont le toucher. Hein. Ah, le fun. C'est génial. C'est fichtrement génial là ce qui se passe. On va commencer avec les Nikita. Hein. Puisqu'on en a beaucoup... Ah non, on a plus de Nikita. Il est passé où, mon Nikita? D'accord. Bien. Je vois. Allez, on y retourne. Cette fois, dites-moi que c'est la bonne. En plus, il restait que dalle comme PV, quoi. Il se prenait un des trois Stingers qu'il voulait pas se prendre, ce connard, là. On aurait été très, très bon. Voilà, là il faut spammer. Mais voilà, mais pourquoi ça a marché au début là, la technique ils m'ont dit genre il est stun, vous allez pouvoir le toucher plusieurs fois. Là je l'ai fait et ça le fait plus. Je sais pas pourquoi ça ne le fait plus, bordel. Quelle est la raison? Les jeux aléatoires, mais qu'est-ce que ça me casse les couilles? Enfin les jeux aléatoires où tu t'en fous, genre Mario Kart, je m'en bats les couilles de perdre Mario Kart, tu vois, mais là. C'est aléatoire si tu vas continuer ou pas dans le jeu. C'est comme Alien Isolation. Est-ce que tu vas passer l'alien ou tu vas pas le passer? C'est aléatoire. Tu te dis à chaque fois, t'arrêtes pas d'échouer. Et c'est pas que tu te dis, c'est parce que t'es une merde. C'est parce qu'en fait, le jeu, il veut pas. Le fait que tu... Le tirage aléatoire du fait que tu vas gagner ou perdre, il veut pas tomber, quoi. Merde. Au bout d'un moment, moi, je te dis merde. Voilà, il se fait toucher sans raison. C'est exactement ce que je disais. Et là, le mec, genre, il est... Mon cul, il est stun, ouais. Putain. Je comprends pas. Et ça m'énerve. Voilà, il m'a vu. De toute façon, ça sert à rien de tirer un Stinger. Il m'a revu.
pourquoi il a des yeux derrière la tête? Arrête d'avoir des yeux derrière la tête, s'il te plaît. Mais respecte le monde! Respecte-le, s'il te plaît, Raven. Respecte le monde. Sors le Stinger. Ah, je me suis fait plus de dégâts que j'en ai fait, c'est génial. Vas-y, retue-moi! Vas-y, mais je te dirai rien! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est nul! Putain! Je ne peux rien faire! Je ne peux putain de rien faire, c'est ouf! Ça me pète le fion cette histoire là. Je suis en train de transpirer tellement ça m'énerve. Ah, je sue quoi, merde. Y'a aucun plaisir là, y'a aucun plaisir, c'est fuckingment aléatoire. À force d'essayer 50 fois, y'a un moment où ça va passer quoi, c'est tout. Stun à ce qui paraît. Pourquoi ça l'a fait une fois, ça le fait plus? C'est ça qui m'énerve le plus en fait dans ce monde. C'est que ça l'a fait une fois, alors pourquoi ça le fait pas deux, trois? Non, ça l'a fait qu'une. Putain, c'est vraiment casse-bonbon. Putain, mais il perd tellement pas de vie quoi. Perds plus de PV s'il te plaît là. Respecte mes missiles un peu. Je barre là. J'ai pas le temps de me barrer. Je suis obligé de me prendre ces putains de balles. Il est où? Il est là. Par où il va décider de passer ce con? Par là s'il veut bien. Et là regardez moi ce génie. Ah là, il a détruit le missile en pleine route. Mais merde. Oh là là, non mais je pète un câble hein, un vrai câble. Il est où? Viens par là s'il te plaît là. Vas-y arrive. Voilà, là il a pas le temps de réagir, rassurez moi Moi qui n'a pas le temps de réagir, putain. Voilà, merci bien. Et on va se heal. On va se caler là maintenant avec un Stinger encore. Ah merde, il va arriver sur le côté. Stinger. Putain. Et ça qui m'énerve, c'est que cette tordi à la con là, il sait exactement vers où je le regarde quoi. Voilà, il casse les bonbons. Voilà, il se fait toucher. Voilà, dans ton cul. Voilà. Boum. On n'a plus qu'à le toucher une fois maintenant. Fouh, ça a été éprouvant, dis donc, hein. Allez, me dis pas que tu fais le génie là, s'il te plaît, meurs. Oh là là, il a fait le génie, bordel. Je suis le génie de la lampe, je prévois où arrivent les missiles. Bah les steaks de la science, moi je m'en fous. Et tu... Oh là non. Oh le vrai con que je viens de faire là. J'ai cru qu'il arrivait sur l'autre caisse mais en fait pas du tout. Relève-toi Snake, putain tu vas pas reperdre maintenant s'il te plaît. Temps qui se baisse et qui regarde dans la lunette, mais le temps, il a... le monde a le temps de s'éteindre 20 fois quoi. Là, si le, la balle sniper tue pas, je comprends pas parce qu'il a plus de vie quoi. Sa jauge elle a disparu. Oh
Oui. Oh putain, enfin! Oh bordel de merde! Le patron avait raison. C'est une existence tout entière qui n'a plus raison d'être. C'est mon toute existence! Ouais, d'accord. Bien les sous-titres. Mais mon corps ne restera pas ici-bas. Mon esprit et ma chair ne feront qu'un avec le corbeau. De cette façon, je vais retourner à la terre qui m'a porté. Je te surveillerai de là-haut, Snake. Compris ? Snake, prends ce passe. Il t'ouvrira cette porte. Pourquoi ? La nature n'a pas créé le serpent que tu es. Ni toi, ni le patron. Vous venez d'un autre monde que je ne veux pas connaître. Va l'affronter. Moi, je vous regarderai de là-haut. Je vais te faire une confidence. L'homme qui est mort en ta présence. Il était maître en camouflage. Il imitait jusqu'au sang de ses sujets. C'est pourquoi il a vidé le chef de son sang et se l'est approprié. Mais il n'a pas pu tromper l'ange de la mort. L'ange de la mort ? Pourquoi se donner tant de peine, se faire passer pour le chef ? Ma confidence s'arrête là. Tu devras résoudre le reste de l'énigme tout seul. Snake, les tueries incessantes n'existent pas dans la nature. Elles finissent toujours par s'arrêter. Mais toi, tu es différent. Qu'essayes-tu de me dire ? À chacun de tes pas, tu enjambes les cadavres de tes ennemis. Leurs âmes te hanteront pour toujours. Tu ne trouveras jamais la paix. N'oublie pas, Snake. Mon esprit va te surveiller. Même les os, ils ont disparu, quoi. Ils ont bouffé jusqu'au milligramme. Snake, c'est moi. Maître. C'est à propos de Naomi. Coupe ton moniteur. Alors quoi, Naomi ? Flûte. Colonel, Naomi est là ? Non, elle est sortie, elle se repose un peu. Pourquoi parliez-vous de Naomi ? Peut-être faut-il mettre le colonel dans la confidence. Ouais. Allez-y, maître. En résumé, le docteur Naomi Hunter n'est pas le docteur Naomi Hunter. Quoi ? Je trouvais son récit à propos de son passé très bizarre. Je vais donc vérifier. Et ? Il existe un vrai docteur Naomi Hunter. Devrais-je dire, il en existait un. Mais ce n'est pas la femme que nous connaissons. La véritable Naomi Hunter a disparu quelque part au Moyen-Orient. Notre Naomi a dû réussir à se procurer ses papiers. Mais alors, qui est-elle vraiment ? Une sorte d'espionne, je suppose. Une espionne ? Oui. Peut-être a-t-elle été envoyée pour saboter l'opération. Vous pensez qu'elle travaille avec les terroristes ? Je ne voulais pas le croire non plus, mais elle appartient à Foxhound. Donc tu penses qu'elle a pris part au soulèvement ? Ou encore, il se peut qu'elle travaille pour un tout autre groupe. Un autre groupe ? Ça ne serait pas... Il faut que vous l'arrêtiez. Quoi ? Elle nous a trahis. Il faut l'arrêter et l'interroger afin de découvrir pour qui elle travaille. Si elle est l'un d'entre eux, on a un gros problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, rien. Est-elle impliquée dans une opération secrète vitale ou autre ?
Ne serait-ce pas en rapport avec les morts mystérieuses du chef du DARPA et du président d'Armtech? Je n'en ai aucune idée. Elle doit absolument être exclue de toute participation à cette mission. Attendez une minute. Sans elle, nous ne pouvons achever cette mission. Je le savais. Tu caches quelque chose. Donnez-moi du temps, je vais la faire parler. Alors dépêchez-vous. Nous devons découvrir qui elle est et ce qu'elle fait ici. Je comprends. Snake, donne-moi du temps. J'ai plus de temps à te donner. Ok, alors je sais pas du tout c'est quoi ce secret là, j'espère que ça va être vraiment intéressant. Si vous pensez qu'on peut récupérer la machine gun du type là-bas, ce serait complètement fou. Bah les amis, en tout cas c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode Metal Gear Solid. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie malgré ma rage incessante. C'est vrai que le combat contre Raven était vraiment très dur et vraiment aléatoire. Mais bon, on s'en est sorti, tout va bien. Sur ce, je n'ai plus que ça chose à vous dire à tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.